aimes bien les énigmes? Peut-être que oui, hein? Très bien. Vous d'abord. Elle a des racines que personne ne voit, dépasse tous les arbres du bois. Jamais elle ne cesse de monter, jamais on ne la voit pousser. Facile. Une montagne, je suppose. Il devine ça facilement. On veut qu'il se mesure à nous, mon trésor. Si le trésor lui demande et qu'il ne répond pas, on le mange, mon trésor. S'il nous demande et qu'on ne répond pas, alors on fait ce qu'il veut, hein? On lui montre la sortie, oui. D'accord. Une énigme. Ah! 30 chevaux sur une colline rouge, d'abord il mâchonne, puis il pilonne, puis aucun ne bouge. Il ressasse ses vieilles salades, des dents, mon trésor. Mais on n'en a que 6. Sans voix, il crie. Sans jambes, se lève. Sans dents, il mord. Murmure sans lèvres. Un petit instant. Le vent, bien sûr. Voilà qui devrait donner du fil à retordre à cette vilaine petite créature souterraine. Un œil dans un visage bleu vit un œil dans un visage vert. Cet œil-là me ressemble un peu, dit le premier œil, il est similaire. Non pas dans les cieux, mais bien sur la terre. Visage bleu, visage vert, mon trésor, le soleil sur les marguerites, ça veut dire ça. Elle ne peut être vue, ni être touchée, ni entendue, ni même respirée. Elle gît derrière les étoiles et sous les collines, remplit les trous vides sous les racines. Elle vient d'abord et pour finir, termine la vie, tue le rire. L'obscurité. Un coffre sans charnière, ni couvercle, ni clé, qui pourtant renferme un trésor doré. Chut, 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 chut,
Eh bien, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas une bouilloire qui déborde, hein, comme vous semblez le penser d'après le bruit de votre bouche. Il nous donne une chance, mon trésor, une toute petite chance. Sur le fleuve avec eh bien, ma grand-mère. Allez-vous deviner ? Pour gober des œufs ! Des œufs ! C'est ça ! Des œufs ! Vivant sans souffle, mortellement froid, jamais n'a soif, toujours il boit. En côte de maille, ne cliquette pas. Voyons. Mais est-ce que c'est bon, mon trésor ? Est-ce qu'il est juteux ? Est-ce qu'il croque bien sous la dent ? Un petit instant. Je viens de vous donner une très longue chance. Ah, il est froid et gluant. Un poisson ! Un poisson, c'est la réponse ! Sans jambes, posées sur une jambe, deux jambes, assis non loin sur trois jambes, quatre jambes en reçues un peu. Du poisson sur une table, un homme assis sur un tabouret, le chat reçoit les arêtes. Cette chose, toute chose dévore, oiseau, bête, arbre, flore. Elle mord l'acier, ronge le fer, réduit la pierre en poussière. Elle tue les rois, sème la ruine, abat montagnes et collines. Laissez-moi. Le temps. Il faut qu'il nous pose une question, mon trésor. Si, une question de plus à deviner, mon trésor. Demandez-nous. Vite. Demandez-nous. Qui est-il dans ma poche ? Pagiste ! Pagiste ! C'est pas juste, mon trésor, de nous demander ce qu'il a dans ses sales petites poches. Qu'est-ce qu'il y a dans ma poche ? Il doit nous laisser trois chances, mon trésor. Trois chances.